Je m'appelle Kira Dupont-Trubetskoy, je suis genevoise et j'ai écrit toute ma vie. J'ai d'abord exercé mon métier de journaliste pendant de nombreuses années, une vingtaine d'années, sur tous les supports, télévision, radio, presse écrite, y compris sur Internet. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la fiction. Et là, j'ai commencé à écrire des romans, surtout. Et puis aussi des nouvelles, de la poésie, des enquêtes. Mais mon activité principale, c'est effectivement la fiction. Le piège de papier, mon sixième roman, est un thriller, enfin un livre aux accents de thriller, à la trame psychologique un peu hitchcockienne. C'est l'histoire d'une amitié entre deux femmes qui est un peu amoureuse. Et en fait, elles vont devenir rivales. Donc ça traite de la sororité, de la rivalité entre femmes, mais aussi de l'imposture, de ce syndrome qui affecte trois quarts de la population à un moment ou un autre de sa vie, ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, d'être illégitime. Et puis c'est une déclaration d'amour à la littérature, parce que la littérature, c'est le pays des mensonges et des faux-semblants.